Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Par décret présidentiel, la présidente de la République convoque Parlement mauritanien une nouvelle session extraordinaire pour discuter de divers projets de loi, dont un portant révision de la Constitution mauritanienne. La Gambie commémore le 52e anniversaire de son indépendance et investit Barrow comme président en présence de nombreux présidents africains. L'association Heureux et Partage ton Bonheur organise une journée de dons du sang à Nouakchott concomitamment avec la célébration de la journée mondiale du cancer des enfants. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Par un décret présidentiel, la présidence de la République de Mauritanie convoque le Parlement à une session extraordinaire mercredi prochain, 22 février 2017, courant. Et ce, pour débattre de 9 projets de loi, dont un portant révision de la Constitution de 1991 et des textes modificatifs. Sur un Nouakchott, des travaux de la deuxième session de la Haute Commission mauritano-saoudienne, au cours de laquelle les deux partenaires ont exposé les volets de leur coopération pour l'évaluation du portefeuille des projets et programmes en commun. À l'issue de la rencontre technique, les deux parties ont signé de nombreuses conventions de coopération touchant de nombreux secteurs vitaux, entre autres économiques et culturels, notamment le commerce, l'investissement, la coopération en matière de développement, les finances, les douanes, l'énergie, le pétrole et les mines, ainsi que le transport aérien, les normes et standards internationaux, les infrastructures, l'eau, l'aéroport et la pêche maritime. La Mauritanie a célébré la journée maghrébine de l'enfant qui coïncide avec le 17 février de chaque année. À cette occasion, Memoula Mtetari, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a salué la stratégie adoptée par le pays pour préserver les enfants, ajoutant que le pays vise à protéger et à insérer cette couche fragile de la population dans le tissu social. Mtetari a dit également que la lutte contre le travail des enfants, choisie cette année comme thème de cette journée maghrébine, constitue un défi que les autorités s'efforcent de relever afin de rééduquer ce fléau dévastateur. Le Mauritanian Business Center, MBC, un centre d'affaires fondé il y a près de 2 ans par des jeunes Mauritaniens diplômés, a décidé d'ajouter à sa vocation originelle de promotion de l'investissement à destination de la Mauritanie un volet social relatif à l'incubation des PME, PMI, petites et moyennes entreprises et industries, auquel est venu se greffer depuis ce samedi un nouveau programme d'assistance socio-médicale au profit de la mère et de l'enfant. Plus de détails avec Fofana Issa. Il n'y a pas si longtemps, le jeudi 26 janvier, le Mauritanian Business Center, en abrégé le MBC, avait mis sur les rails un projet novateur destiné à accompagner les jeunes Mauritaniens porteurs de projets. Programme fastidieux qui s'est fixé comme objectif de booster l'innovation en Mauritanie en encadrant les jeunes entrepreneurs désireux de développer leurs entreprises dans un espace de travail favorable à leur croissance. Les premiers bénéficiaires sont le Syndicat national des étudiants de Mauritanie, le SNEM, et l'Association des jeunes chômeurs et diplômés. Le plan d'action a été mis sur les rails et le projet fait son bout de chemin. Mais la structure ne dort pas sur ses lauriers pour autant, loin s'en faut. En effet, Maro Diagana et sa clique ont plutôt mis ce week-end à profit pour dérouler encore une autre action sociale dans le cadre cette fois de l'engagement en faveur de la santé publique des populations, notamment de la gente féminine, qui constitue le maillon de la société le plus exposé aux contingences, y compris sanitaires. À cet effet, le Mauritanian Business Center s'est lié en partenaire pour la cause avec d'autres jeunes activistes sociaux œuvrant pour le bien-être des populations, tels les jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Et comme son nom l'indique, c'est fixé comme objectif d'accompagner aussi les efforts déjà mis en place par les pouvoirs publics et les officines intranationales pour le bien-être des femmes et des enfants. Sa présidente nous édifie sur ce partenariat volontariste avec le MBC. En fait, on a prévu 2 activités de campagne de sensibilisation des jeunes et des adolescents par rapport à leur santé reproductive. Et pour cela, on a prévu 2 activités au niveau de Nouakchott. La première, c'est celle qui se déroule là présentement avec des discussions et des échanges sur la santé de la reproduction, sur la loi SR et sur la religion, bien sûr, et la planification familiale et d'autres thématiques entre jeunes où nous discutons. Et on a prévu aussi de faire demain au niveau de Darul Beida une sensibilisation aussi sur les méthodes contraceptives, plus un dépistage gratuit
disons, pour le VIH-Sida, entre autres. Donc nous sommes des jeunes et nous intervenons dans la santé de la reproduction. Et ceci ne fait que suivre notre plan d'action annuel qui prévoit beaucoup d'activités qui sont de ce genre. Et donc voilà, ça c'est parmi les unes et les deux des activités. Et j'espère qu'on aura à faire d'autres activités et que vous serez aussi. Bien évidemment, c'est en mutualisant leurs efforts que la querelle d'associations de jeunesse en Mauritanie est engagée dans le social et l'humanitaire pour en rendre efficientes leurs louables actions. Dans un communiqué, la Haute Autorité de Bonne Gouvernance en Côte d'Ivoire a appelé les fonctionnaires du secteur public concerné et les élus à faire la déclaration de leurs revenus dans un délai de 30 jours tout au plus. C'est ainsi que 36 fonctions sont concernées par une telle mesure, dont les ministres, les ambassadeurs, les secrétaires généraux et d'autres encore. L'Association mauritanienne de protection du consommateur a appelé à la mise en place d'un mécanisme de coordination entre les organisations de la société civile chargées de la protection du consommateur, de manière à pouvoir commémorer la Journée mondiale du consommateur en commun. On prépare à cet important événement organisé en marge d'une conférence de presse à Nouakchott des représentants des organisations de protection du consommateur mauritanienne. Le Centre culturel égyptien à Nouakchott a célébré le 53e anniversaire de sa présence en Mauritanie. Au menu des activités commémoratives de cet événement, une exposition photographique nationale montrant les débuts du centre et son action dans le pays. D'autres activités sont également prévues au programme, dont des conférences, des soirées artistiques et culturelles, des débats auxquels seront conviées diverses personnalités. Discret et sorti de nulle part, Adama Barrow était un illustre inconnu avant sa désignation par une large coalition de l'opposition gambienne à l'élection présidentielle en décembre dernier. Un choix historique qui s'avérera décisif pour l'homme comme pour le pays, si après la biographie du premier président gambien élu. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée tous les 21 février de chaque année, trois associations, celle de la promotion de la langue Wolof, une autre du Peul et enfin une troisième de la langue Soninké, ces trois organisations ont constitué pour la circonstance une plateforme culturelle commune en vue de célébrer l'édition 2017 ensemble à l'ancienne maison des jeunes. Au menu des activités, une exposition de manuels édités dans les langues nationales mauritaniennes, une conférence de presse sur le thème de la langue maternelle dans le système éducatif mauritanien. Le Bureau national de protection de la terre et pour la résistance de la colonisation a appelé au boycott des marchandises et produits de fabrication sioniste en vue de protéger la production palestinienne nationale. Dans un communiqué, le bureau a affirmé que le boycott des produits sionistes est une obligation morale en raison de la poursuite de la
colonisation et des contraintes astreignantes de la politique de confiscation des terres palestiniennes par les Israéliens. Concomitamment avec la célébration de la Journée internationale de la lutte contre le cancer de l'enfant, une organisation non gouvernementale a organisé une campagne de don de sang visant le public bien portant en vue de porter assistance aux enfants souffrant de ce fléau ravageur. Un reportage de Mamoudouba. La Journée internationale du cancer de l'enfant est célébrée tous les 15 février de chaque année. La maladie concerne tous les enfants du monde, à l'instar de la Mauritanie, et les chiffres sont alarmants. En effet, un enfant sur 440 est atteint d'un cancer ou d'une leucémie avant l'âge de 15 ans. Selon les dernières statistiques, ce qui fait du cancer pédiatrique la deuxième cause de mortalité pour cette partie de la population après les accidents domestiques. Le but de cette journée internationale est donc d'informer, sensibiliser et recueillir des dons pour aider la recherche scientifique. Le travail admirable des médecins, chercheurs et associations a permis de faire passer des taux de guérison de 30 à 80 entre 1970 et 2010. Des progrès thérapeutiques non négligeables qui raniment l'espoir des familles des malades. Cependant, beaucoup reste à faire, tels que, entre autres, urgence, alerter le pouvoir public sur l'augmentation du coût social de la maladie, qui pénalise aujourd'hui de nombreuses familles d'enfants malades. Les dons, même les plus petits, sont donc le bienvenu, mais partager par contre son sang avec ceux qui en ont besoin pour recouvrir la santé et parfois même la vie, cela n'a pas de prix. C'est qu'a compris l'ONG qui a posé à cette occasion des actes symboliques. Le premier est de rappeler à l'opinion que tous les jours doit constituer le 15 février qui doit être perpétué durant le reste de l'année pour venir en assistance aux enfants qui souffrent. Le second acte est de joindre la parole à l'acte en offrant une partie de ce que nous avons de plus cher et qui constitue la source de vie pour sauver d'autres vies en croissance, que sont les enfants garants de l'humanité. Le fait d'avoir choisi le premier dimanche après le 15 février pour déclencher l'opération de don de sang est donc fait à dessein afin de rappeler que la maladie ne tient pas compte du temps ni de l'âge. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des titres. Par décret présidentiel, la présidente de la République de Mauritanie convoque le Parlement à une session extraordinaire en vue de discuter de divers projets de loi, dont un portant révision de la Constitution mauritanienne. La Gambie commémore le 52e anniversaire de son indépendance nationale et investit à cette occasion Barrow comme président en présence de nombreux présidents africains. L'association Sois heureux et partage ton bonheur organise une journée de don du sang à Nouakchott concomitamment avec la célébration de la Journée mondiale du cancer des enfants. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Morabitoun.